Bonjour à tous, aujourd'hui on est de retour au PN25 pour enfin la dernière partie du gros spot des vacances. Donc là le temps il est ensoleillé, moitié nuageux comme vous pouvez le voir. De base je devais aller au 27, mais le 27 je sais pas si y a des frettes et des infras qui continuent après vers Saint-Beaumont et qui passent là. Du coup j'ai préféré aller ici. Et en plus, regardez, la ligne est droite sur plusieurs kilomètres, comme j'ai dit dans la partie 1. Bon bah les amis, on se retrouve tout à l'heure. Donc là, je filme avec un trépied, c'est pour ça que ça balance un petit peu, parce que j'ai un même trépied. On se retrouve tout à l'heure pour le premier train. Allez. Les gars, je vous l'ai pas dit, mais pour commencer et finir la vidéo, j'utilise une télécommande comme ça. Oui, j'utilise une télécommande pour par exemple démarrer et terminer la vidéo. Parce que appuyer et appuyer encore sur un trépied, ça va le faire trembler à force. Du coup, j'utilise une télécommande Bluetooth qui a été fournie avec le trépied. Là, le PN est sur voie 1. Il y a une Z50 Carmion qui s'arrête en gare et qui s'approche. Un bruit bizarre, dis donc, après le passage. Je sais pas, vous avez entendu, mais ouais, il a fait un bruit un petit peu bizarre.
De loin, non, il n'y a rien d'autre. Et juste la Z50 qui vient de passer. Bon bah les amis, voilà, fin de session, même si elle était courte, et surtout fin du gros spot des vacances sur la ligne H. On va se retrouver vers fin décembre pour le prochain gros spot. Parce que moi, je peux que spot pendant les vacances, vu qu'après j'ai un mois et demi de cours et je dois beaucoup bosser. Voilà, dernière vue. Là, regardez, en plus, le soleil commence à se coucher. Il est à même pas 16h et le soleil commence à se coucher. Bon, bah, les amis, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Et j'espère que ça va vous plaire. Allez, abonnez-vous, lâchez de likes, commentez et partagez la vidéo. Au revoir.